Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'agenda de la semaine. Lundi 21 novembre 2022, conférence de presse du Premier ministre. Le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement Patrick Hachi, animera le lundi 21 novembre à 11h une conférence de presse à l'auditorium de la Primature. Ce lundi 21 novembre 2022, Coupe du Monde 2022 au Qatar. Coupe du Monde 2022 au Qatar ne ratez pas le premier match de l'équipe du Sénégal face aux Pays-Bas dans le groupe B, aujourd'hui à 16h. Mardi 22 novembre 2022, événement à ne pas rater, le Net FinTech Forum 2022 avec pour thème What Next in Africa FinTech du 22 au 23 novembre 2022. Au Radisson Blu, ne vous faites pas raconter cet événement. Toujours ce mardi 22 novembre 2022, ne manquez pas la phase du groupe C pour la Coupe du Monde 2022. Vivez le premier match des Bleus de France contre l'Australie à 19h GMT. Jeudi 24 novembre 2022, replongez dans l'événement ultime du football, la Coupe du Monde 2022, avec les matchs du Cameroun face à la Suisse à 10h, ou encore le Portugal de Cristiano Ronaldo contre les Black Stars du Ghana à 16h, GMT. Vendredi 25 novembre 2022, 11e congrès ordinaire de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Le congrès ordinaire a l'insigne honneur d'informer l'ensemble des journalistes membres de la dite union qu'en prélude du 11e congrès ordinaire qui aura lieu le vendredi 25 et 26 novembre 2022. Toujours ce vendredi 25 novembre 2022, l'artiste Soumbil livrera un concert live au Palais de la Culture. Venez soutenir votre artiste à l'esplanade du Palais de la Culture de Trècheville le 25 novembre 2022. Et terminez la semaine ce samedi 26 novembre 2022 à l'Assemblée Générale du Groupement des Opérateurs des Secteurs des Technologies, de l'Information et de la Communication. Réorganise le renouvellement de ses instances dirigeantes ce samedi 26 novembre 2022. Et voilà, c'est tout pour l'agenda de la semaine. À la semaine prochaine pour plus d'actualités.